Le commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa, a annoncé, dans un communiqué publié vendredi 27 avril, le décès d'un criminel de grand chemin, nommé Daniel Bermanga Mukenga. L'infortuné, un lieutenant déserteur des Fardes, a été tué par balle à son domicile dans la commune de Lamba lors d'un accrochage avec les éléments de la police. Au terme de cet accrochage, il a été récupéré 5 armes de guerre et 6 grenades offensives. Il est, selon le communiqué de la police, auteur de plusieurs braquages des banques, agences de transfert d'argent, convois des fonds, cambistes, supermarchés et autres commerces dans la capitale. Il a été recherché pendant longtemps par les services de l'ordre et plusieurs de ses compères étaient déjà arrêtés par le passé et déférés à la justice militaire, précise le communiqué. Selon la police, ce bandit a connu plusieurs accrochages avec la police dont celui survenu au quartier Maman Mobutu dans la commune de Mongafula le 15 février 2018, au cours duquel le sous-commissaire Betoko Mbongo du groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants fut tué par balle. Le criminel abattu a aussi emporté, avec sa bande, le 15 avril, une somme de 69 000 $ dans la société Sonvira dans la commune de Limete. Le commissaire provincial de la police annonce la traque contre d'autres malfrats de la même bande qui sont actuellement en fuite. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.